Hello, nouveau cours aujourd'hui avec Billy Fury. Voilà, je vous montre sa photo. Chanteur de rock'n'roll, de rhythm and blues, de country, de pop anglaise, pré-Beatles. Voilà. Chanteur très intéressant à adapter au niveau de la guitare acoustique. J'ai choisi trois exemples aujourd'hui, tirés de trois morceaux de Billy Fury. Alors, on va commencer par A Wondrous Place, qui se joue en tonalité de La mineur. On la reprend. Vitesse normale maintenant. 3, 4. Donc le thème. Donc, la mineur, ré, ok. Ensuite, on a on a ça. Donc. On termine sur un ré mineur. Ah, je refais le passage. On reprend le même schéma après, mélodique. Okay. Donc on reprend ensemble avec l'intro. Okay. Donc deuxième exemple, un morceau, une ballade typique dans l'esprit teenage ballade, dans l'esprit rock'n'roll, qui s'appelle A Thousand Stars, qui se joue en tonalité de Fa. Voilà, avec quelques petites astuces à gauche, à droite, je vais vous montrer ça. Donc. Thank you.
Donc on reprend des composants. 3, 4. Voilà, il y a une astuce ici en fait, c'est qu'on commence sur le Fa. Ok? On commence sur le Fa. Donc. Ré. Si B, et là on passe sur un accord mineur. C'est décomposé en fait. Donc. On finit sur le Do en fait. Voilà. Donc. 3. 4. Alors on reprend. 3, 4. Voilà. Donc l'exposé du thème. Donc. Une fois. Ok, on prend ensemble donc 3, 4. Ok, pour A Thousand Stars. À présent, donc, un morceau très intéressant de Billy Fury qui s'intitule Like I Never Been Gone. Voilà, un morceau très intéressant au niveau de la position du capot, donc, qui permet de faire sonner les basses à vide. Voilà, donc, le capot est positionné. En fait, le morceau se joue en tonalité de sol. Voilà, on va déplacer donc, le capot en case 2, deuxième case. Voilà. Alors, un morceau très intéressant de Billy Fury au niveau rythmique, qu'on peut très bien jouer à l'acoustique sans problème. Voilà, au niveau du drive. Je vais vous exposer donc l'intro de Like I Never Been Gone, le thème, et après je vous décompose tout ça. On va le faire à une vitesse un peu plus lente. Constater qu'il y a beaucoup de positions d'accords. On va voir tout ça donc au ralenti avec l'intro. On reprend donc 3, 4, 1. Partie. Deuxième partie donc. J'essaie de le refaire bien sûr avec le lié
nécessaire au niveau rythmique, une vitesse un tout petit peu plus lente quand même.